Oui, ça y est, je pense qu'on m'entend. Bonjour à tous. Donc avant moi, vous avez eu Bigornoob qui vous a amené le talent, clairement. Moi, tel une oxydoréduction genderbend, je vous amène la fraude. James Bond 2, codename Robocode, édité du coup par, créé par Victor Dean, édité par Millennial. Vous les connaîtrez surtout pour avoir fait Medieval plus tard ou Creatures encore un peu avant. Ne clignez pas des yeux, bien évidemment. Alors, est-ce que la régie est prête? Vous êtes prêts? Ça va être parfait. On va pouvoir y aller dans 3, 2, 1, go! Alors, peut-être que des gens connaissent déjà un petit peu l'arnaque qu'il y a vis-à-vis de ce jeu. C'est très bien, je vois le premier saut, tout se passe très très bien, nous sommes en marathon. Mais en tout cas, même si vous connaissez l'arnaque, vous devrez être un petit peu étonné. Donc voilà, maintenant je suis invincible et j'ai accès à absolument tout. Je suis invincible pendant une vingtaine de minutes à peu près. Et surtout, là, on vient de faire le premier niveau en à peu près 15-5 secondes. Ah, j'ai pas réussi un petit trick d'optimisation, mais je pense qu'on s'en fiche. Et maintenant, en faisant ce petit trick en allant à gauche dès le début du niveau, je viens de débloquer tous les niveaux du jeu. Ce qui nous amène du coup directement, eh bien, au dernier boss, tant qu'à faire. Donc voilà, hein, le grand docteur Maybe, ici sous forme de bonhomme de neige géant, qui va nous attaquer. Et on va surtout lui sauter dessus sans sa tête, en faisant saut plus vers le bas, comme ça on a besoin de le toucher que 4 fois. Et attention, le time c'est très bientôt, et time! Et on voit le docteur Maybe qui montre sa vraie forme. C'est bien, c'est qu'on n'a même pas eu le temps ni de parler de l'histoire, ni de parler de quoi que ce soit. Mais je pense qu'on s'en fiche un petit peu, effectivement, de savoir quel est le fond de l'histoire. De manière générale, on va juste dire quand même 2 secondes, James Bond 2, c'est un jeu qui a été fait codé à toute vitesse en 3 mois, c'est pour ça qu'il n'y a que 5 musiques dans tout le jeu, qui commence en plus sur une horrible reprise de Basil Poledouris du thème de Robocop, alors qu'ils n'ont même pas les droits, et avec du placement de produits, c'est un des premiers jeux avec du placement de produits pour les barges chocolatées glace Penguin, et oui, on reste dans le thème des Nootnoot, hein, bien sûr, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, ces barges chocolatées. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci. Après moi, vous avez Ori, c'est un peu mieux. Et donc, toi, moi, c'est menu... Ouais, c'est ça. Oui. Mais attendez, c'est fini là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais la run a déjà commencé, J'ai pas compris. Oui. Ça va trop vite, ils sont trop forts, ces speedrunners et ces speedrunneuses. Bah oui, c'est sûr.